Nous allons commencer comme ça, si tu le permets, Marc. On va commencer par une présentation, votre présentation. J'ai préparé quelques diapos juste pour que les gens aient une idée sur vous. So let's begin with a kind of presentation of who is Professor Marc Dulimore. I have asked Marc and I was pressing him. So he said, let me give you the phone number of my mother, so she can tell you about me quite a lot. That's it. So, donc nous allons commencer. Bien sûr, c'est un leader mondial aujourd'hui, leader d'opinion international. Il est éducateur, donc il est dans la formation. C'est un scientifique, c'est pour ça que j'ai souligné, dans le domaine des soins oculaires. On va voir au fait que c'est les soins oculaires dans le sens large du terme. Il est basé en ce moment à Boulder, c'est en Colorado. Il s'occupe aussi de la gestion, sur le plan de rédaction, de deux journaux. Le premier, c'est Ophthalmic Physiology Optics. Il a été donc rédacteur en chef aussi de OVS, donc Optometry and Vision Science. Son expertise en myopie, lentille cornéenne, basse vision, presbytie, chirurgie réfractive. Puis qu'il est consultant pour un certain nombre de sociétés ophtalmiques, chirurgicales et pharmaceutiques. Donc, ce travail a abouti à l'approbation, entre autres, d'un certain nombre de techniques dont nous connaissons aujourd'hui l'impact, telles que les techniques d'orthokératologie, Paragon CRT, et de l'Ilux d'Alcon et de MySight de CooperVision, dont on a tellement entendu parler. Professeur Marc Dulimore est natif de Grande-Bretagne. Je pense qu'il est londonien, je ne sais pas, j'ai cette impression. Il a fait ses études à Aston, à Birmingham, donc dans l'Ouest Midlands, entre 83 et 87, où il a fait un BSc. Il est membre du Collège d'optométristes de Grande-Bretagne depuis 1984. Il a fait son PhD donc à l'Université d'Aston. Son supervisor était professeur Gilles Martin, et je connais bien son opposant, celui qui a le jury, c'était Sherman, donc qui était à UMIST. En juillet, donc par la suite, il va rejoindre en 88 l'Université de Californie, Berkeley, où il occupe le poste d'assistant clinical professor dans l'école d'optométrie. En juillet 87, je crois qu'il va. Il y a un problème de. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre vos micros, comme ça on aura. J'ai laissé les micros parce qu'on va avoir peut-être des interactions d'un certain nombre de personnes qui voudront poser des questions pour que la présentation soit aussi vivante que possible. Donc, en juillet 96, de juillet 96 à juin 2011, il va aller à l'Ohio State University of Columbus, où il va occuper un poste de professeur full. Au collège d'optométrie. Ensuite, il rejoint, à partir de 2012, il rejoint l'Université de Houston, à Texas, le collège d'optométrie, où il occupe adjunct professor of optometry, là aussi. Il a eu des prix de distinction, la liste, elle est là, donc je vais donner le lien par la suite, si vous voulez consulter son site, parce qu'il a mis un site assez intéressant où on retrouve un petit peu tous ses travaux et toutes ses réalisations. Il a aussi des patents, donc des brevets, un brevet sur un appareil et des méthodes pour améliorer l'opération d'un autorefractomètre. C'était en 1998. Il a tellement écrit que je n'ai pas eu assez de place pour mettre toute la liste. Donc, j'ai mis la liste des publications. Ensuite, le lien, si vous voulez consulter, ça vous permettra d'avoir une idée précise de la contribution du professeur Dulimore dans ce domaine-là. Il est aussi quelqu'un qui a beaucoup de relations publiques, donc on l'invite ça et là pour animer des émissions, pour donner des points de vue. Il est aussi quelqu'un qui écrit, qui intervient dans différents meetings d'optométrie, d'ophtalmologie, etc. Donc, il a été sollicité dans un certain nombre de comme consultant, dans un certain nombre de conseils consultatifs. Entre autres, entre 97 et 2000, il est membre du panel d'approbation
des équipements ou appareils ophtalmiques au niveau du Federal Drug Administration. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'organisme de régulation des médicaments et des dispositifs donc de mesures diagnostiques. Il intervient fréquemment, notamment, je pense qu'il va intervenir encore au BCLA. Le BCLA est un moment privilégié ou très intéressant où l'ensemble du GOTA, un petit peu, de la recherche dans le domaine non seulement de la lentille de contact, mais sur la cornée, sur la myopie, contre la myopie, qui intervient. Et pendant le confinement lié au COVID, une variété de revues l'ont invité à contribuer à des articles. J'ai compté plus de 60 revues et journaux scientifiques. Donc, il est le seul Holmes de la myopie. C'est quelqu'un donc, qui essaie, j'ai lu un article qui m'a mis la puce. C'est un petit peu, il est très pragmatique. Il faut trouver des choses évidentes pour pouvoir avancer. Et puis, l'effort qu'il fait, parce que c'est d'abord un optométriste avant d'être un scientifique, c'est comment traduire toutes les connaissances liées à la myopie en pratique clinique. Et ça, c'est très difficile de faire ce lien parce qu'on peut trouver un tas de choses. En fin de compte, on ne pourra pas donner une approche pratique qui permettent à l'optométriste, à l'ophtalmologiste de pouvoir prendre en charge ce genre d'individu qui présente soit un risque de myopie, soit une myopie déjà avérée. Donc, merci beaucoup et bienvenue. À vous la parole. Donc, I let you given us this talk, which we were expecting quite a lot. All right, thank you. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Can I share my screen? Yeah, of course. C'est disable. Voici le monde de Zoom. Un petit moment parce que je vais vous renommer co-animateur parce que tout à l'heure vous étiez absent. Voilà, vous êtes co-animateur, donc vous partagez. Hein? Ah, d'accord. Parfait, très bien. OK. On peut voir? Oui. OK, merci beaucoup. Je m'appelle Marc Bollimore. En français, c'est... C'est Bully Plou ou Toro I Plou. Je suis un optométriste anglais et aujourd'hui, j'essaie de présenter en français. J'habite aux États-Unis, au Colorado, à 2000 mètres. Et voici le visiteur du matin. En grande. Qu'est-ce que c'est? Os. Exactement. Oui, OK. Je consulte de nombreuses entreprises grandes et petites. Et si vous souhaitez explorer davantage la myopie, je voudrais vous diriger vers mon site. Et si vous cliquez ici, voici beaucoup de lectures recommandées sur la question de la myopie. Pour commencer, je vais vous montrer la statistique que tout le monde présente. En 2050, la moitié d'entre nous sera myope. Et la myopie, c'est la plus grande menace pour la santé oculaire du 21e siècle. La myopie est déjà une cause majeure de déficience visuelle irréversible et nous devons nous demander que va-t-il se passer dans la prochaine décennie.
So, en résumé, c'est une menace non contrôlée. La maculopathie myopique est susceptible de devenir la principale cause de déficience visuelle dans le monde. Et le coût mondial est énorme. Et plus énorme en 2050. Et actuellement, aux États-Unis, la myopie est classée 11e en termes de dépenses pour toutes les maladies, devant le cancer du poumon, le cancer du sang et les autres maladies. Voici un article que nous avons publié il y a quelques années. Et nous avons dit que nous devons nous soucier de la santé visuelle à long terme de chaque patient et pas seulement répondre à leurs besoins visuels actuels. Et nous avons dit qu'il y a 3 avantages à long terme de l'abaissement du niveau ultime de myopie d'une jeune patient. Numéro 1, meilleure vision avec et sans correction. Numéro 2, de meilleures options pour la correction chirurgicale de la myopie et de meilleurs résultats. Et troisième et le plus important, une réduction du risque de déficience visuelle associée à des niveaux plus élevés de myopie. Plus de myopie marche plus de déficience visuelle. Les myopes plus élevés, ils ont acuité visuelle non corrigée plus faible. Aussi, acuité visuelle corrigée moins bon, ou plus mal. Ils ont plus de difficultés en effectuer les tâches et ils signalent plus de défis liés à la vision. C'est plus important parce que les myopes plus élevés ont plus grande dépendance à la correction. Et les myopes plus élevés prennent plus de risques avec les lentilles de contact. Avec moins de myopie, il y a de meilleures options pour la correction chirurgicale de la myopie. Et les chirurgiens disent que le put plus court est plus facile à couler. Ça signifie que c'est plus facile d'obtenir une erreur de refraction résiduelle minimale. Ça marche meilleure acuité visuelle pour Socrates non corrigée et moins d'amélioration chirurgicale secondaire. Il y a beaucoup d'autres problèmes avec moins de myopie, moins de stroma cornéen à retirer. Et avec une myopie plus élevée, un risque accru d'ectasie cornéenne post-opératoire et des procédures alternatives. Mais plus important, avec moins de myopie, il y a une meilleure qualité visuelle post-opératoire.
So voici un article que nous avons publié avec mon ami Robert Maloney. Et Robert est le chirurgien refractif de nombreuses célébrités. Voici quelques-uns de ses patients. Kim Kardashian, Lindsey Vonn, beaucoup de célébrités. Et voici acuité visuelle mesurée de différentes manières chez les patients subissant un LASIK avant et après la chirurgie. La cohorte a été divisée en myopie supérieure et inférieure. Si vous pouvez voir en haut à gauche, les patients avec de myopie inférieure ont un milieu acuité visuelle avant et après le LASIK. En bas à droite, quand on dilate les pupilles, et quand les tests sur des cibles à faible contraste, les disparités sont plus importantes et vraiment prononcées après la chirurgie. En d'autres termes, la qualité visuelle est loin de celle de myope inférieure, très probablement en raison de l'augmentation de l'aberration sphérique. Mais l'avantage le plus important d'avoir moins de myopie est la réduction du risque de déficience visuelle. Des niveaux plus élevés de myopie sont associés à un risque accru de cataracte, de glaucome et de décollement de la rétine. Mais la principale cause de perte de vision irréversible liée à la myopie est maculopathie myopique. So, nous avons la classification de la maculopathie myopique. Le fundus tessellae, ce n'est pas la maculopathie myopique. La maculopathie myopique commence avec l'atrophie diffuse et les présentations suivantes comprennent les ruptures de la membrane de la bruche, l'atrophie et les néovasseaux choroïdiens. Now, nous avons utilisé les données de 5 grandes études avec plus de 20 000 participants. Et la prévalence de la maculopathie myopique en fonction du degré de myopie. Mais quand on trace sur une échelle logarithmique, toutes les droites sont parallèles avec une pente de 1,67, une pente d'une et deux tiers. Chaque dioptrie supplémentaire augmente le risque de 67%. Aussi, chaque dioptrie de moins réduit le risque de 40%. Now, les myopes inférieurs à 5 dioptries contribuaient 50% de cas de maculopathie
myopique. Parce que il y a beaucoup de myopes dans le bas de, du spectre de refraction. Et mon ami Ian Flitcroft, il a dit il n'y a pas de niveau de myopie sûr. Et je dis que ce n'est pas de la maculopathie myopique, ce n'est pas une maladie de faute myopie, c'est une maladie de myopie. Nous avons étendu ce travail à d'autres maladies. Voici une nouvelle publication avec d'autres amis, dont un ophtalmologiste français, Nicolas. Nous parlons de les risques et les avantages du contrôle de la myopie. Ici, la prévalence du glaucome à l'angle ouvert et chaque dioptrie augmente le risque de 20%. C'est le même avec la cataracte sous-capsulaire postérieure. Encore, chaque dioptrie augmente le risque de 20%. Et finalement, l'incidence du décollement de la rétine, chaque dioptrie augmente le risque de 30%. Mais plus important, c'est la déficience visuelle. Et voici une grande étude aux Pays-Bas avec des milliers de patients avec des données sur l'acuité visuelle et l'erreur de refraction. Et on peut voir que le risque de déficience visuelle augmente avec l'âge et le degré de myopie. So nous avons pris ces données retracées sur une échelle logarithmique. Et encore, chaque dioptrie de plus augmente la déficience visuelle de 30%. Aussi, chaque dioptrie de moins réduit la déficience visuelle de 25%. C'est la même pour tous les âges. So, en résumé, chaque dioptrie compte et la réduction de chaque dioptrie compte aussi. Le contrôle de la progression de la myopie d'une dioptrie a le potentiel de réduire le risque de maculopathie myopique de 40%, réduit le risque de glaucome de 20% et réduit le risque de déficience visuelle de 25%. Maintenant, nous parlons à le contrôle de la myopie. So, voici la pyramide de la médecine factuelle. Les essais cliniques randomisés sont la référence absolue. Et en bas se trouve l'opinion d'experts. Nous pouvons ajouter à la pyramide la combinaison des résultats de nombreux études. C'est une méta-analyse. Et en bas, nous avons les médias sociaux et les politiciens. Quand
nous fait l'évaluation de l'efficacité du contrôle de la myopie. On peut voir essais cliniques randomisés de 12 ans et plus. On peut voir masquage. Aussi, l'autorefraction cycloplégique et les mesures de la longueur axiale. Et j'espère que ces valeurs doivent s'accorder. Il est important de se rappeler que 0,1 mm équivaut à 0,25 dioptrie. Mais nous devrions spécifier l'efficacité en millimètres ou en dioptrie et ne pas utiliser de pourcentage. L'année dernière, nous avons publié un opus magnum très long avec mon ami Noel Brennan. Je vous présente avec lui et je vous présente mes trois mentons. L'une des choses que nous montrons est un résumé des essais cliniques de contrôler de la myopie. Vous pouvez voir que l'efficacité varie. En sommet, se trouve 1% d'atropine, mais pour toutes les études, le ralentissement de l'allongement est le plus important au cours de la première année. Et c'est vrai pour toutes les études. So, on commence avec les activités extérieures. Et les activités extérieures réduisent l'incidence de la myopie. Votre parent soit myope ou non. Aussi, si nous augmentons le temps passé à l'extérieur, nous pouvons réduire l'incidence de la myopie. So, il est clair que le temps passé à l'extérieur réduit l'incidence, mais peut-être le temps à l'extérieur ralentit la progression. C'est pas fort. Les preuves ne sont pas claires. So, maintenant, nous parlons d'options optiques pour ralentir la progression de la myopie. So, pour les verres de lunettes, si on réduit la puissance au moins, ça aggrave les choses. Aussi, les verres progressifs peuvent offrir certains avantages. Il y a deux essais randomisés qui les chercheurs réduisent la puissance de verre. Les deux essais ont trouvé la même chose. Si on réduit la puissance de verre, il n'aide pas et augmente probablement la progression. So, not a good idea. Pour les verres progressifs, voici deux essais randomisés, une à Hong Kong et un autre aux États-Unis. Et
on sait que les Asiatiques progressent plus vite, mais le fait de traitement, c'est le même dans les deux essais. Le fait de traitement était significatif, mais cliniquement sans signification. Les chercheurs aux États-Unis ont trouvé que dans les myopes, avec le lag accommodatif plus élevé, et avec les isophoriques, les verres, ils ont le plus profité. Les chercheurs ont mené un deuxième essai qu'ils ont appelé Comet 2. Et ils ont trouvé la même chose. Le traitement n'est pas très effectif avec les enfants isophoriques et avec le lag accommodatif. Mais ce n'est pas le dernier mot. Nous pensons que les bifocales exécutifs sont plus efficaces. Voici un essai clinique randomisé. Les enfants ont randomisé à verres unifocaux les bifocales exécutifs et les exécutifs avec les bases sont le segment. Et la progression après 3 ans est réduite avec les bifocales. Les bifocaux exécutifs ralentissent la progression de la myopie. Aussi, l'allongement axial était ralenti par les bifocales, mais le prisme ne fait pas de différence. Mais c'est le plus important, c'est que les bifocaux exécutifs sont beaucoup plus laids. So, la plupart de nos thérapies optiques efficaces sont basées sur ces trois categories. Les trois ici. On peut faire de l'orthokératologie. On peut utiliser lentilles de contact multifocal ou les verres avec addition périphérique. Pourquoi la périphérie? On peut lire ce papier à droite avec des proofs convaincants d'une série d'expériences minuteuses sur des animaux. Et il a été montré que le développement réfractif est régulé par rétroaction visuelle. Mais aussi, la fovea n'est pas essentielle à la croissance dépendante de la vision. Mais le plus important, avec des signaux optiques contradictoires, la périphérie domine le centre. Et aussi avec des signaux périphériques contradictoires, le plus positif domine le moins. Il y a aussi beaucoup de recherche clinique et la plupart de nos thérapies efficaces manipulent la périphérie. So avec
l'orthocaratologie. C'était la première étude scientifique à montrer que l'orthocaratologie était efficace pour ralentir l'allongement axial. Notez que la plupart de la différence se produit au début de l'étude. Et aussi, les mesures de l'erreur de refraction ne sont pas possibles en raison d'aplatissement de la cornée. La première essai randomisé a montré la même chose. L'orthokératologie est efficace. Et beaucoup d'autres études montrent des résultats cohérents. On peut aussi mettre le plus de poissons dans la périphérie avec lentilles de contact sous forme de lentilles multifocales progressives ou d'anneaux concentriques. Et je vais parler de trois études importantes. Ici, 500 enfants ont été randomisés à 5 lentilles de contact. Les lentilles de contact monofocales et 2 avec 2 focalisations myopiques, périphérées et centre, ou 2 avec profondeur de champ étendue. Et voilà, le fait de traitement était la même pour les 4 lentilles. Ils ont ralenti l'allongement de 0,58 mm. C'est pas mauvais. Mais plus important est l'essai clinique de MySight de 3 ans. C'est un essai clinique randomisé à double enceinte ensuite de 3 ans avec les enfants myopes à 4 sites d'investigation en 4 pays. Et les enfants ont randomisé pour les lentilles de contact MySight ou le contact ProClear. Et chaque contact, c'est les lentilles jetables journalières. Et MySight a considérablement ralenti la progression et l'allongement. Aussi, la progression et l'élongation étaient fortement corrélées. Une autre étude modifocale est l'étude Blink. Avec 300 enfants qui ont randomisé à porter lentilles de contact unifocale ou les contacts multifocales avec une haute addition ou les contacts multifocales avec une moyenne addition. Et voilà. La progression avec les contacts, on peut voir que le moyen addition ne marche pas, mais la progression est plus lente avec le multifocal haute addition. C'est une étude importante. So, la troisième option est le verre avec l'addition périphérique. La première étude avec
cette approche, l'effet de traitement est très petit, mais un peu plus grande avec dans les enfants et dans les enfants chez les 6 à 12 ans et dans les enfants avec au moins une parent myopie. Une deuxième étude dans 200 enfants avec au moins une parent myope randomisée vers unifocal ou myovision. C'est le même vers des études, la première étude. Et les verres ne marchent pas. Ça ne fait rien. Mais plus récemment, il existe plusieurs options plus prometteuses. Voici le verre Defocus Incorporated Multiple Segments, ou DIMS. En français, je pense que c'est le Défocalisation incorporée plusieurs segments, ou DIPS. Et voilà l'étude de 2 ans. Après 2 ans, la progression était plus longue et l'allongement était moins avec cette verre DIMS. Une autre option, c'est le verre de Sightglass. Ce verre ne défocalise pas, mais réduit le contraste. Les résultats ont été présentés l'année dernière et il y a 2 verres expérimentaux qui réduisent le contraste. Et c'est un essai clinique multicentrique et randomisé à 3 groupes sur beaucoup de sites. Et après 12 mois, le test numéro 1 a ralenti la progression de 0,40 dioptres. Et le test 2 a ralenti la progression de 0,32 dioptrie. Mais maintenant, SLO arrive. Voici le verre de SLO avec le micro-lentille concentrique. Il s'appelle Stellest et voici le résultat sur plus de 100 enfants randomisés au verre de lunettes avec unifocal avec le micro lentille hautement sphérique HAL et le micro lentille légèrement sphérique ou SAL. Après donc, les verres avec les micro lentilles marchent très bien. Aussi, les enfants adaptés aux verres sont évidemment indésirables, plaintes ou inconfort. Maintenant, nous parlons des approches pharmaceutiques. Les bêta-bloquants sont inefficaces. Maintenant, l'atropine est la plus efficace d'options actuelles. Mais c'est aussi possible
de trouver un agent antimuscarique sélectif, parce que atropine est une antimuscarinique non sélectif. Deux essais cliniques très importants menés à Singapour. Le premier essai s'appelle ATOM, avec une pourcent d'atropine. Et il était très efficace. Le deuxième étude est avec trois concentrations inférieures. Et c'est un surpris que les résultats sont les mêmes. C'est les trois concentrations inférieures est efficace. Mais si nous concentrons sur les deux premières années de les essais, permettez-moi de souligner les données importantes. Et on peut voir la progression est lente, mais l'allongement est le même avec cette concentration. C'est pas clair. Mais heureusement, il y a beaucoup d'autres essais. Voici l'essai LAMP. 400 enfants étaient randomisés pour trois concentrations ou un placebo. Et ici, la progresse de la myopie et l'allongement axial concordent. La concentration à la plus efficace est la plus élevée. Il y a quatre autres essais cliniques au cours de la dernière année, tout publié dans la meilleure revue scientifique. Ils montrent tous les résultats très réfléchis. En voici un qu'ils ont randomisé à 0,01% d'atropine ou d'un placebo, et les résultats sont les mêmes de l'étude de l'AMP. Son résumé, 5 essais cliniques randomisés et pour les résultats sur un an, la progression de la myopie ralentit par plus de 0,25 dioptrie et l'allongement axial ralentit par plus de 0,1 mm. L'atropie, comme ça, c'est moins efficace que les options optiques. Si voici à droite. Et c'est moins efficace que l'orthocoratologie et c'est moins efficace que les options, les nouvelles options de verre. Je finis, je dis merci et je m'excuse pour mon mauvais français.
Merci beaucoup. Thanks a lot. Your French is quite perfect for me. I think that the most important is that people have been able to follow your presentation, and your lecture was very, very, very nice. I know that you have done an effort to translate, and we appreciate that, and we thank you again. So, I need to practice a lot more. Okay. Yes, I think the best thing is that you will give us other talks in French. That's maybe, but I think next week I have to give a talk in French for Essilor, but it's that's good. Pas cinquante minutes. Votre français était correct. Je sais que c'est difficile de faire cet effort parce que vous êtes dans le bain social américain, donc tout le monde parle anglais. Et vous avez, je sais que, au fait, dans votre formation, quand vous étiez à l'école et au lycée, et vous pratiquez aussi le français. Donc c'est un petit peu un rappel pour pouvoir essayer d'être performant peut-être pour le futur en termes. Mais ce qui est important, c'est le contenu. It doesn't matter language. I think that the most important thing is that the message. Aussi que la dernière fois, je n'ai bu pas de café. Peut-être je vais boire beaucoup de vin. Donc j'ouvre le débat. Nous avons des gens qui sont prêts à se poser des questions. Je vois là René, Mohamed et les autres. Donc j'ai laissé la possibilité à tout le monde de pouvoir activer son micro et de poser des questions. Donc allez-y. Merci beaucoup. Allez-y. Mohamed ou René. Oui. Merci, professeur Boulimer, pour la présentation en français. On a l'habitude de vous écouter en anglais partout dans les congrès, mais là, ça fait plaisir de vous voir Je pense mon anglais est le même que mon français. Moi, j'aurais deux questions. La première, je vais aussi traduire en anglais après. Donc la première question, on sait que la mesure de la longueur axiale maintenant est une mesure presque obligatoire, nécessaire dans le suivi des enfants myopes. Pour les gens qui n'ont pas accès à la mesure de la longueur axiale, qu'est-ce que vous recommandez comme autre mesure? Est-ce que la réfraction sous cycloplégie est suffisante? Avec les verres et avec les lentilles de contact, c'est vraiment, ce n'est pas nécessaire parce que l'allongement est corrélé avec la myopie. Mais avec l'atropine et avec l'orthokératologie, il est plus important parce que il sera beaucoup de discordance avant l'allongement et la myopie. Mais si vous avez les amis ophtalmologistes, ils ont les équipements, qu'est-ce que c'est? Pour l'allongement. Mais avec les verres et MySight et les autres lentilles, ce n'est pas, how do you say, mandatory.
Obligatoire. Obligatoire. C'est pas obligatoire. D'accord. Deuxième question, ça va être plus sur les études scientifiques, vu que vous êtes un expert sur ça. Donc, si on veut présenter une, on veut mener une étude épidémiologique dans les écoles, chez les enfants, pour savoir la prévalence ou connaître la prévalence de la myopie dans une population, est-ce qu'on est obligé de mesurer la longueur axiale chez tous les enfants, par exemple dans une école, ou on peut juste prendre l'acuité visuelle et la réfraction sous cycloplégie pour faire un travail scientifique? Je pense que ça suffit pour une étude épidémiologique. C'est mieux et si on peut on peut donner le les longueurs axiales, mais c'est pas nécessaire. Parfait. Merci beaucoup. Ah. Vous pouvez poser une question? Bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Marc Willimore, pour cette magnifique présentation. Mais bon, égal à vous-même, on a l'habitude, comme le disait Mohamed, dans vos conférences ou dans vos publications, d'avoir ce niveau-là. Voilà. La question est très pratique. Que conseillez-vous pour mesurer la réfraction périphérique de sorte qu'après, on puisse calculer l'addition qui permet d'éviter la défocalisation hypermétropique périphérique? Try and translate that for me. What is your advice to measure the peripheral refraction so that we can go against the defocalization, okay, hypermétropic defocalization in periphery? Yeah. On pense que Le périphérique est très important, mais la défocalisation dans la périphérie peut-être n'est plus important parce que dans les enfants avec les défocalisations périphériques différentes, ça ne marche pas à la thérapie. Did I say that? Is that understandable? I wanted to say that, you know, the studies we have seen, if you measure the peripheral refraction, it doesn't seem to predict the therapeutic effect of a multifocal lens. But we are very early in this science. Tout le monde, everybody believes that the peripheral refraction is important, but it doesn't seem to be important to measure it in an individual. Does that make sense? Yes. Yeah. Yes, but. Yeah. But oui, mais yeah, I mean, with an auto refractor, you could measure it. Doesn't suggest that should guide your therapy on an individual child. So. And how about to measure it with a retinoscopy? Peripheral retinoscopy? Yes. Il y a beaucoup de gens, Michel Melado fait de retinoscopie pour le refraction périphérique. Je préfère un autre refracteur, mais on peut faire de rétinoscopie, moi non plus. Mais, il est vrai que Michel Miodo, qu'on connaît bien, c'est possible, a fait de la réfraction périphérique. Je pense que c'est pas très important pour l'enfant. Pour le contrôle de la myopie. Oui.
D'accord. Et donc, ça amenait une deuxième question. Another question, second question, if you don't mind. Que pensez-vous de l'approche myopique, du traitement myopique personnalisé? Okay, you translate that for me? What's yes. My opinion on... What do you think about personalized treatment for myopia? Je pense que maintenant, nous ne sommes pas arrivés pour le traitement individualisé parce que nous n'avons pas assez de recherche pour le individualisé. Mais si un enfant progresse très rapide, on peut faire des changes de traitement ou on peut faire une addition de la traitement. Peut-être si on essaie les lentilles, on peut how would you say add atropine? On ajouter. Peut ajouter l'atropine pour les enfants qui vivent trop rapide ou qui progressent trop rapide. C'est possible. Il y a beaucoup d'options, mais il faut que nous sommes le clinicien pour chaque patient. Merci. Je vais me permettre de poser quelques questions quand même parce que c'est une opportunité unique qui m'est donnée, donc it's a good opportunity for me to ask some questions. I think that in 2050, we'll have half of humanity will be myopes. Mm-hmm. So, among this number, quite more than 60 to 70% are from underdeveloped world. Now, on sait que la santé n'a pas de prix, mais qu'elle a un coût. We know that healthcare is not has a value, but it has a cost. So my question is simple. Je suis très pragmatique. Je pose une question très simple. Moi, je suis beaucoup plus. I am more focused on specs and contact lenses than on orthokeratology and atropine, because it's a kind of catch 22, if you don't mind. If we know that we have some kind of results with the lenses, biofocals or MyoSmart or Stellest or Sight Glass Revision, we have to try to work on that. So my question is quite rough, maybe. My question is un petit peu direct. Pensez-vous, do you think that we need to invest a lot of money to get results on slowing myopia and getting more people without visual handicap, visual disabilities. C'est une question très difficile parce que le coût de traitement ce n'est pas moins c'est cher. MySight, les nouvelles verres, peut-être après, after a few years, après quelques ans, peut-être le
le coût est moins cher. Mais nous avons fait de calculations de le coût and the benefit, and it's the benefit, the whether it's a good decision does depend on the cost of the treatment. Okay, so si vous pouvez faire le traitement pour 50 euros chaque an, c'est that makes sense. Mais pour 5000 euros, ça ne marche pas. But it's an important question. Okay. A difficult question. Parce que simplement, il faut dire une chose, c'est que dans cette population qui est à risque de développer la myopie, ce n'est pas juste les gens wealthy people, that's also poor people, because that's a fact. We are in a big crisis now, and we need to put things on the track. So the least thing we could do is, I think, is to go to bifocals. That's not expensive. This is my idea, because I try to do my work, so I explain to parents and so on about the risks. But this is money is everything. We should be very realistic about that. So it's why when I have seen that there are some specs who are being put in track, like MyoSmart, Stellest, and SightGlass Vision products, and that there are big involvement now between World Council of Optometry, Cooper Vision, Essilor, Luxottica, Essilor, and so on. I hope that we could have some kind of cutting, the piece in two. So mm-hmm. could have some kind of support. And it doesn't matter. I think it does matter to measure axial length or not, because axial length is about clinical research and. But it's a kind of what can we do? The least thing we can we do to put to manage to help these people who would have retinal detachment and so on. Je m'excuse si j'ai dérivé un petit peu de l'aspect scientifique, mais c'est un aspect un petit peu clinique qui se pose à nous tous, parce qu'on est confronté souvent à des enfants avec leurs parents. On explique aux parents, mais en fait, les parents me disent combien ça coûte. Orthokératologie chez nous, c'est Mohamed est là pour me dire si c'est vrai ou pas. Ça coûte 120 000 dinars, donc c'est à peu près quelque chose comme peut-être autour de 800-900 euros, n'est-ce pas? Oui, le plus important, c'est l'activité extérieure. Ça ne couvre rien. S'il vous plaît, vous êtes dans vos micros. C'est bon. Marc, c'est bon. Mais tout beaucoup de mes amis, ils disent la même chose. Le coût de la myopie est important. Et tout le monde n'a pas assez d'argent pour le traitement. J'espère que si les
the large companies, if they really care about myopia, then hopefully, particularly in spectacles, they can make their products affordable, particularly in all parts of the world. But we will see. On peut mâcher les verres peut-être que moins cher, c'est possible, mais peut-être Essilor voudrait cette approche. Maybe. Mohamed, tu voulais dire quelque chose? Oui, je peux juste rajouter. Si je peux rajouter juste poser une dernière question. The last question for me. Professor Bolimar, we are a little bit involved in education locally. In North Africa, we are involved in education, and the actual curriculum of the education in optometry, we don't have a really good course for myopia and for myopia management. It's we do have the basics, but we are not educating enough the future optometrists. Do you think that we, in the current curriculum, we have to add a course or maybe labs for myopia management? I think it's important to expose your students to the issue and to understand the mechanisms, the pathologies. But again, it depends, on your own particular circumstance. Is it appropriate to teach everything about myopia? Maybe. But I think the most important message is the public health message, that the risk can be reduced by more time outdoors. And for example, you can treat myopia with MySight or one of these new lenses for 2 or 3 years, and you can slow myopia by 3/4 of a diopter. But you can have the same benefit if you just delayed the onset of myopia by 1 year. And if you can do that either with a cheap drug or just by encouraging the children to spend more time outside, that's as beneficial, and it's cheap, and it's something that everybody can do regardless of where you are in the world. As I said, I think there are many corporations who are interested in myopia control, but ultimately, to make a big difference, we have to, as clinicians and as a profession, really promote myopia prevention. And we know the best way to do that is more time outside. And at the same time, work with our friends in industry to get some more cost-effective methods. At the moment, even in the United States, it's a treatment for parents or children of rich parents. It's not accessible for everybody, but it's the same for health disparities exist, not just for eyes, but for teeth. For cardiovascular, and it's part of a bigger problem. Maybe in Europe, where you have socialized medicine,
where everybody is covered, there can be, you know, an assessment, and undoubtedly there will be an assessment of the cost effectiveness of some of these therapies. And maybe they will be included, maybe they won't. But you ask an important question, but getting back to the question of the curriculum at the university, even in the United States, it's still, myopia is still finding its place in the curriculum. Because, you know, we have a course on pediatrics, we have a course on contact lenses, and myopia is taught in both places rather than consolidated into a single focus within the curriculum. So, but I would encourage you to talk with your peers around the world and find out how each of them are doing this, and also find out what materials they might be using to promote this. So somebody had asked a question in the chat, a question, il y a une patient âgée de 37 ans, and you're asking about whether you would advise wearing contact lenses or having LASIK. Now, what you have to remember when it comes to refractive surgery is you're treating the front of the eye and you're correcting the refractive error, but the problems at the back of the eye remain. And, you know, after LASIK, they may be emmetropic and not need contact lenses, but it's important to educate a patient that the long-term complications of their eye being elongated, those problems remain. And, you know, so you treat the refractive error, but you haven't treated the myopia because the eye is still too long and they will have the same problem. So whether they wear soft contact lenses or whether they have LASIK, that's a personal choice. Okay. It's a choice of convenience. And, you know, personally, I like being a minus two. It's great when I'm presbyopic. Yeah. I can read without glasses. I think to me, it's the perfect correction, but I wouldn't want to be a minus seven, minus eight, because that would be less convenient, but it also, I would have a compromised retina. somebody says here, salut, j'ai une proposition pour la création d'une formation universitaire dédiée à la myopie. C'est une bonne idée. Peut-être, yeah, could be your next job, doctor, you know? I have just a question for you. The last question, as I've said already, was any. When I am reading all these papers, there are always a kind of rebound effect. Whatever devices we are using, when we stop the treatment, we have this rebound effect. The question is, it's when we have to stop treatment, and what are the guarantees, the warranties to have a stationary situation, a stable situation, stable refractive situation? So we see, you know, we definitely have seen a rebound effect with high concentrations of atropine, but it's not clear that we see a rebound effect with other therapies. At the moment, there's a seventh year of the MySight
study is looking to see if there is a rebound or an acceleration. But those children now are an average of 16. So even if we don't see a rebound in those children, we might see a rebound in younger children. And certainly in the United States, it's a concern for the FDA to quantify that rebound effect. Now, personally, I think with any therapy, there may be a small rebound. But I think with optical therapies, the rebound is likely to be small, but it's only by following more children for longer that we will ultimately find out what the whether there is an effect. But certainly, I mean, even treating a child for 2 or 3 years, you can slow their myopia, and providing they don't then accelerate, you have instilled some benefit long term for them. But good question. You ask the tough questions. Ah. René, les autres, Hajar, est-ce qu'il y a des questions, Hajar? Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui. Oui, pour rebondir sur la question qu'a posée Mamed à propos de l'introduction d'un cours sur la myopie dans les curriculés, dans les curriculums donc, universitaires, il faut considérer que ça a été fait cette année avec l'université donc Mohamed V à Rabat au Maroc. Voilà. Et je le dis parce qu'il y a des étudiants qui sont présents ici, là. On peut considérer qu'ils ont eu un cours cette année alors au travers de FCO parce qu'on avait un problème de timing. Mais bon, ça a été introduit. On va dire que sur le papier, dans les cours qui ont été faits, dans les questions de QCM qui ont été faites également, ça a été introduit. Voilà, ça c'est la première remarque. Puis la deuxième remarque, c'est que contre vents et marées, dans notre vieille France, trop traditionnelle et avec les problèmes que l'on connaît pour la reconnaissance de l'optométrie, il y a donc de très nombreuses années que mes collègues et moi-même faisons encore un cours sur la myopie. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on a déjà parlé de myopie. Voilà, donc les choses ont quand même été dites, mais bon, pas forcément admises. Et j'en prends pour exemple l'utilisation du loup-foyer qui a été enseignée, qu'on a utilisé nous au plan clinique et qui a fait qu'on s'est fait traiter de tous les noms d'oiseaux par qui on peut imaginer, alors que le double foyer taillé visible, qui a été signalé par Marc, voilà, ancienne version type Franklin, ou la nouvelle version avec le prisme incorporé, il y a belle lurette qu'on utilise donc ce genre de choses. Voilà, c'était une petite chose à dire quand même. Hein. Ce n'est pas une attaque, mais il faut quand même dire les choses parce qu'il faut reconnaître ce qui s'est passé et l'histoire donc doit témoigner. Et puis, il faut toujours gentiment appeler un chat un chat. Yeah, but I'll answer it. I think there are already a lot of materials available from Brian Holden Vision Institute and some excellent websites. I think it's going to be very interesting to see Essilor's involvement in education. And certainly, you know, I expect in a couple of months, they will introduce Stellus in France. And, you know, the presentation I need to record. Normally this month. Yeah, this, yeah. So there will be, I think, not just advertisements, but there will be education. But obviously in France, yeah, there aren't many optometrists, it's ophthalmologists, opticians, and it's a different model to, yeah, in the United States. Now, having said that, I think, Professor somebody is speaking, my friend Nicolas Leviziel, he has been doing some education for Hoya. So I think there's potential to work with Essilor and other companies to educate and consolidate some knowledge and a plan. So
So, but I like your comments. So we can, I don't know, in the chat there, this is just gracias from Argentina. Just gracias. Et donc, c'est, je pense que il y a plein de webinaires sur le net. Ça fait de cela quelques jours, j'ai vu Carla Zadnik dans un webinaire sponsorisé en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc, elle parle très bien. Pas français. Pas français, oui. Mais c'est intéressant parce qu'elle a parlé de cette expérience qu'elle a menée avec Mouti dans les années 90, où elle avait dans un bus aménagé comme clinique. Elle a fait du dépistage, ensuite du suivi. Et puis, on a l'impression que même les résultats qu'elle a présentés sont des résultats cohérents avec ce que nous savons aujourd'hui, parce que ce sont des éléments que je retrouve, parce que ça m'a fait plaisir de retrouver un petit peu. J'ai fait, en fait, aujourd'hui, il y a aussi possibilité de faire un effort d'auto-formation. Il y a Myopia Profile avec le couple Gifford, chez lequel d'ailleurs j'ai fait la formation. Ensuite, il y a Brian Holden Vision Institute qui offre aussi une possibilité aux gens de pouvoir se rattraper et compléter. Cela étant dit, bien sûr, l'introduction, je crois, dans les cursus, y compris probablement des ophtalmos, parce que la myopie est une préoccupation aujourd'hui de santé. Moi, je pense que y compris les ophtalmos peuvent intégrer. Le 2 juillet, je dois présenter un cours à l'Association des ophtalmologistes praticiens, un cours d'une heure sur la myopie. Ils appellent ça freination de la myopie. Moi, j'appelle ça ralentissement de la myopie. Ce sont deux termes complètement différents parce qu'on ne peut pas freiner la myopie. On ne peut que la ralentir. Ce qui est important, professeur Marc Bullimore, c'est qu'un message qui m'a... C'est un titre d'un article. One diopter less, si je m'appelle, c'est tant de chances d'avoir moins de drames par la suite. Je crois que c'est un message qui est fort. C'est un titre qui m'a interpellé, qui m'a interpellé pour pouvoir m'intéresser à ce champ. Parce que aujourd'hui, nous faisons de la gestion au jour le jour. Nous avons une attitude compensatrice plutôt qu'une attitude prophylactique ou préventive. Donc, pour changer d'attitude, we have to change our mindset about the myopia issue. Nous avons besoin de changer d'état d'esprit. Tant que cet état d'esprit reste le même, on ne pourra rien faire. Donc, faire un minimum, peut-être que c'est possible. Les conseils pour ce qui est des activités en plein air, c'est très important. Il n'y a pas de lien établi entre l'utilisation des interfaces et la myopie jusqu'à présent. Il y a une controverse, mais il n'y a pas screen devices and myopia. It seems that it's not really established that we have a link. And nevertheless, the fact that we had last week Dr. Ronnie Combe talking about working near working. I think that near-winking, involving accommodation and so on, can be a kind of factor of risk to develop myopia. La semaine passée, on a eu donc Dr. Mécombe qui nous a parlé de cela, et il nous a parlé aussi du fait qu'on doit donner des conseils prophylactiques. Par titre d'exemple, tous les patients doivent leur parler de deux choses, à mon sens. C'est que de pouvoir limiter le temps d'exposition aux écrans, parce que ça va de soi que nous avons un travail de près, donc une proximité, donc on se un certain nombre de mécanismes, dans notamment la communication, la convergence. Deuxième élément, c'est que aussi on peut parler aux parents, parce que souvent c'est des gens qui ont beaucoup d'enfants, s'ils sont myopes, on peut toujours leur conseiller, même s'ils ne sont pas myopes, d'essayer de donner à leurs enfants l'habitude de passer un peu plus de temps à l'extérieur. Je ne sais pas si vous pouvez commenter sur cet aspect-là. Quel est le mécanisme qui va nous permettre de lutter contre la myopisation
quand on est sous éclairage naturel ou en plein air. Quelle est la chose? Parce que là, j'ai lu un tas de choses, il y a des hypothèses, mais je n'ai rien trouvé de très solide sur cette question. C'est vrai que les activités extérieures sont les plus importantes pour le prophylactique, mais le mécanisme, ce n'est pas clair. C'est la couleur, le pupil size, et vitamin D, je ne sais pas. Mais c'est le plus important message pour la myopie, c'est la prophylactique avec les activités extérieures. Et c'est pour tout le monde. Tout le monde, on peut faire une grande différence. OK, so, est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en parce qu'on aura, on attendra longtemps pour avoir encore Professeur Bullimore online. moi, je dois quitter. Je m'excuse. Merci beaucoup, Professeur Bullimore. Thank you very much. And I hope to see you soon in one of the conferences. Somewhere in the world. And we can travel again, but my first proper conference will be in Boston in October. The Academy. But I meant to come to Denmark in November as well, and then maybe 2022 will be more normal. So yeah. But thanks for everybody for their gracious comments, and it's been a pleasure. Thank you indeed. Thank you indeed. Thank you. Okay. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, le prochain webinaire, ça va être avec Dr. Elise Gabrielle Kramer, qui va nous parler de la sécheresse oculaire. Ça va être la semaine prochaine, donc jeudi 17. D'ici là, elle est plus belle que moi. Non, quand même. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah.